Pensez-vous que si Kylian avait un agent de qualité, est-ce qu'il serait déjà allé au Real de Madrid? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kylian Mbappé. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici nous on parle de foot, ici nous on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est pas, on est parti. Alors les gars, est-ce que Kylian Mbappé est victime du fait de ne pas avoir un bon agent, les gars? Vous savez qu'actuellement, c'est sa mère qui est quasiment son agent. Du coup, donc, est-ce que ça le plombe pour un transfert, un futur transfert au Real de Madrid? Moi, je pense quand même oui, parce que vous pensez que si Kylian Mbappé avait peut-être comme agent, peut-être Jorge Mendes, pour moi, Kylian devait déjà quitter le PSG parce que Jorge Mendes est puissant. Mino Arriola, les gars. Mino Arriola, qui est actuellement l'agent de Erling Haaland, mais qui est décidé, mais qui a quand même une agence qui a su prendre la relève. Je pense notamment à Rafaela Pimenta, qui travaille avec Mino Arriola. Donc je pense que si Kylian avait vraiment un agent de qualité, pour moi, il serait déjà allé au Real de Madrid. Parce que l'agent, les gens négligent cet aspect, mais c'est un aspect très important dans le foot. Très important. Maintenant, donc, ce n'est pas toujours exclu que Kylian ne s'en aille pas au Real de Madrid. Tout est possible. Partage-moi ton ressenti en commentaire par rapport à cette thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce sont déjà très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.